Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, en tout cas vous irez mieux à la fin de cette vidéo, c'est clair. On va parler d'un engin fun et rigolo, le LDARC Flying Ball. Alors, je vais faire ça en deux vidéos différentes. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit engin, bien sûr, on va faire quelques exemples de jeux rigolos, du FPV, parce qu'on peut en faire du FPV bien sûr. Vous allez kiffer, franchement vous allez kiffer, une grosse partie d'entre vous va adorer ce jouet. Parce que c'est, même si c'est pas forcément qu'un jouet, ça peut aussi être un jouet tout simplement. En tout cas, on retrouve une âme d'enfant avec ce petit engin là. Donc on va parler de ça, on va également faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné la petite caméra IMU Ranger 2C, rappelez-vous, de mercredi dernier. Donc petit tirage au sort dans cette vidéo également. Et en troisième partie de vidéo, vous verrez les petites images, j'ai fait un petit clip rapide, des petites images qu'on a tournées avec mon cher Yacine au karting de Chaland. Donc je vous ai monté un petit clip vite fait, j'espère que ça vous plaira. Je me suis cassé un peu l'oignon, vite fait. En tout cas, Yacine, ça lui plaît. Et merci encore à toi, mon bon Yacine. Sans toi, ça n'aurait pas pu arriver, ce genre de choses. C'est grâce à lui si on a pu y aller. Et puis, à la fin de la vidéo, dans l'outro, vous retrouverez les paramètres Betaflight de mon petit engin. Voilà, parce que il y en a besoin pour ceux qui vont vouloir faire les petites modifs. Donc, on parle tout de suite du petit Flying Ball. Alors moi, j'ai le rouge. Pourquoi je le ferai en deux fois? Parce que Mariette m'a envoyé le rouge, c'est cadeau, c'est pour tester, et j'ai pas pu m'empêcher de commander le bleu. Pourquoi? Parce que c'est on peut jouer tout seul, c'est sûr, on peut se passer la manette, chacun son tour si on est à plusieurs, mais l'intérêt c'est vraiment de jouer à plusieurs, au moins à deux, j'ai envie de dire. Donc j'aurai le rouge, Yacine aura le bleu, et on pourra faire des tas de choses ensemble. On va tout de suite parler du principe de ce petit engin, et après je vous le décris bien évidemment. Donc c'est une boule, vous l'avez vu, mais cette boule va pouvoir vous permettre pas mal de choses différentes. On va pouvoir faire, donc il y a des règles officielles pour le soccer, pour le jeu de foot, avec deux anneaux de chaque côté, de façon à pouvoir marquer des buts, défendre son terrain, etc. Oui, je sais, il y a la EX07 qui est là, mais je ne m'en sépare plus, je dors avec. J'ai collé les petits autocollants, je la prépare un petit peu, et surtout je trouve un endroit adéquat pour pouvoir la tester, surtout tester la vitesse de pointe, parce que là, moi j'ai pas d'aérodrome et d'aéroport. Heureusement, comme ça je peux voler partout autour de chez moi, mais il faut une belle piste pour tester la vitesse de pointe. J'ai pas envie de l'éclater contre un trottoir ou contre un mur, donc je vous prépare ça et on la voit très bientôt. J'ai même une petite astuce ou deux à vous donner dessus qui en font une bagnole vraiment vraiment très sympa. Sinon on verra aussi les petites Sky Zone, les Sky O4L, très bon compromis pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les Sky O4X. Je vous mettrai les liens dans la description bien sûr, avec des coupons si j'en ai, mais Sky O4L a sorti une paire de lunettes avec les mêmes caractéristiques que les Sky O4X, sauf qu'elles ne sont pas en OLED, elles sont en écran à cristaux liquides, mais belle luminosité. Je vous en parlerai avec Yacine, je pense, on ira tester ça ensemble et faire un comparatif. Et sinon on verra aussi la petite SMO 4K, la petite Insta360R qu'on pourra installer sur des racers ou sur des Whoop. Mais je pense pas que ça remplacera ma Naked Hero 7, à mon avis. Bref, ce petit engin, il va vous servir à plein de choses. Vous allez pouvoir faire plein de jeux avec, il n'y a que l'imagination qui va vous stopper. Il y a les règles officielles du soccer qui sont sur le site, qui sont dans la description du produit. Mais on va pouvoir s'amuser à plein d'autres choses, passer dans des cerceaux. Moi, j'ai pris mon cerceau de boule, vous savez, le marquage au sol pour la pétanque, des petits cônes, etc. Tiens, je vais vous montrer tout de suite quelques petites applications que je me suis amusé tout à l'heure pour tester. Yeah!
Ah, fin de batterie, ça clignote en rouge. Les armes. Ouais. Bon, bon, trois coups, hein. À l'envers, mode turtle. Tac, et on est debout. Et si on se faisait un petit vol de nuit? Go! Hey, ça claque, hein. Et ça marche aussi en FPV. Regarde. Par contre, pour le FPV, il va falloir faire différemment, je vais vous montrer. Comment se présente ce petit engin? Il vous est livré dans la petite boule qui est là, donc résistant, un plastique costaud, un plastique creux, mais qui encaisse bien les chocs. Il vous est livré aussi avec un support pour la caméra FPV, ça c'est super bien pensé. Alors moi dedans, j'ai mis la Runcam Nano 2, c'est un bon compromis, puis pas trop trop cher. Après, voilà, vous mettez une caméra de cette taille-là, c'est du 14 je crois. Il vous est livré, il y a une petite erreur sur la description, que ce soit en BNF ou en RTF. Celui-ci en BNF vaut dans les 150 euros. En RTF avec la FSI 6, je crois que c'est aux alentours de 200-210 euros. Mais il y a une petite erreur, c'est qu'il n'y a pas de VTX fourni, alors que dans la desk, c'est marqué VTX fourni, tout simplement. Il est dans la description. Donc il n'y a pas de VTX. Vous le recevrez en PNP, c'est-à-dire que si vous prenez la version BNF, il vous faudra simplement un récepteur. Moi j'ai mis un X
XM Plus dessus pour pouvoir le binder à votre radio, bien sûr. Si vous le prenez en RTF, vous aurez bien sûr la FSI6 et je crois que le récepteur, c'est le RX2A. Donc pour finir de parler sur cette petite coque, là vous avez une demi-coque fournie, vous avez 7 éléments, à savoir que pour le dessus, simplement, il en faut 6. Et c'est vraiment bien fini, vous avez également les petites tiges carbone, donc ce sont des éléments clipsables avec des tiges carbone. C'est vraiment bien pensé et super facile. Moi, quand je l'ai reçu au départ, j'ai dit non, quand je vois toute la visserie, tous les boulons, je me suis dit non, va falloir que je démonte tout pour avoir accès au drone. Mais non, pas du tout, c'est super simple. Regardez, hop, pour le haut, je déclipse tout simplement, ça fait tac, tac. Et voilà, et j'ai accès à mon drone. Et on peut retirer encore un élément ici, un élément là. Voilà, vous pouvez retirer ce que vous voulez. Tout est fixé sur le milieu, à part le câble ici XT60. Mais sinon, vous allez pouvoir aussi déclipser le bas sans aucun souci. Et on va en avoir besoin. Donc, diamètre de la boule, 23 cm. Le drone, c'est un 130, c'est un 130 mm. Et le poids fait 300 grammes, le tout compris sans la batterie, bien sûr. Enfin, là, il y a même mon récepteur, plus mon VTX et la caméra. Donc, un peu moins de 300 grammes, on doit être à 275-280 grammes. La boule complète. Les moteurs sont des LDARC en 3600 kW. Ce sont des XT1406. La carte de vol, c'est une KKT20 F411. Les ESC 81, c'est une KKT20 E20A, donc 20 ampères, qui va monter jusqu'à 23 ampères en pic pendant 4-5 secondes. Donc c'est du 4S, on peut tourner en 3S également, pour avoir quelque chose de plus doux. Des hélices 30-50 ici en 3 pales, qu'on connaît bien. Et moi, le VTX que j'ai installé dessus, c'est un eShine TX-C23, qui est pas mal du tout, montable sur du 20-20 ou sur du 30-30. Je vous mettrai le lien aussi en description. Il fonctionne plutôt bien, et on a deux boutons d'accès ici rapide pour la puissance, pour les canaux. C'est super simple d'avoir accès directement aux boutons et avoir les LED, on sait exactement où on est. Donc c'est intelligent pour moi, quand on va voler en vol à vue, de mettre son VTX en pit mode, de vérifier qu'on soit pas resté en 100, 200, 500 milliwatts. On peut le mettre en pit mode directement, et ça c'est plutôt pratique plutôt que d'avoir à aller dans l'OSD. Donc si votre drone est équipé pour le FPV, vous allez pouvoir modifier ça de l'extérieur quand vous volez pas en FPV, tout simplement. Sinon, on a un grand cadre carbone ici qui fait 4000 d'épaisseur, donc c'est super résistant, c'est vraiment vraiment bien pensé. On a une barre de LED tout le tour de l'appareil, rouge pour l'engin rouge, et on aura bien sûr du bleu pour l'engin bleu, et on a une petite barre de LED ici qui va permettre plusieurs choses. Déjà, ça va permettre de pouvoir vous signaler, donc réglez-le comme moi dans Betaflight, ça va pouvoir vous signaler quand les batteries sont faibles, qu'il faut vous poser quand vous êtes en vol à vue, tout simplement. Il va y avoir un clignotement rouge, mais vous pouvez changer la couleur d'origine, hein, ça peut être jaune, vert, bleu, etc. En tout cas, ça va clignoter normalement, et ça clignotera en rouge quand vous serez en fin de batterie. Mais ça va servir également à vous repérer, à repérer de votre drone, tout simplement, si vous êtes à plusieurs. Si, par exemple, on est trois par équipe, trois dans l'équipe rouge, trois dans l'équipe bleue, vous allez pouvoir, à votre drone, à vous dans l'équipe rouge, assigner une couleur jaune. Un autre des rouges va pouvoir être bleu. Vous avez compris, ça va permettre de repérer son drone, tout simplement, quand on pilote à vue dans une petite arène. Donc, super intelligent, ce petit chose. Maintenant, je vais vous parler d'un petit truc, c'est au niveau du FPV, parce que ça peut servir également pour l'initiation. Je vais reclipser mon petit bourzi. Ah oui, petite astuce, moi l'antenne VTX qui est ici, pour éviter qu'elle aille, par exemple, c'est un MMCX dessus, pour éviter qu'elle aille dans les hélices, j'ai fixé un petit riselant en haut ici, et une petite gaine thermo. Comme ça, je passe, hop, une fois que c'est chauffé, ça garde la forme, mais je peux passer directement le petit riselant dans la gaine thermo, et ça me maintient l'antenne. Hop, attendez, vous allez voir. Tac, et ça me maintient l'antenne vers le haut, ici. Donc le riselant rentre bien dans la gaine thermo, voilà. Et ça me maintient l'antenne vers le haut. Elle ne peut pas aller se coucher toute seule sur les côtés. Vous voyez, elle est maintenue. Mais en même temps, on garde l'élasticité en cas de choc. Ça permet juste à éviter l'antenne d'aller dans les hélices. Maintenant, si on veut piloter en FPV. Alors, parce que quand on le monte normalement, la batterie se fixe sur le pad qui est en bas ici. Au niveau des lipos, il conseille des 4S entre 2100 jusqu'à 1300 mAh. Moi, j'ai volé avec des 850, que ce soit des Kratos ou des O-Line, 850 mAh en 4S. Et le système d'installation est plutôt sympa. Regardez, hop, je vais ouvrir le scratch ici. On a des pads en mousse qui sont généralement des pads d'atterrissage. La petite XT60 est là, donc peu importe le sens, on aura accès de toute façon. Tac. Ensuite, on serre. Voilà.
et c'est plutôt bien fixé, ça tient bien, et ça permet d'avoir un centre de gravité. Regardez, si je le pose sur le côté, automatiquement, il va se remettre pratiquement droit. Une fois que vous allez réarmer, en stabiliser, vous mettez un petit coup de gaz, ça vous l'avez vu dans la démo, et il va se remettre droit automatiquement. Mais il y a très peu de chances que vous soyez coincé sur à l'envers. Et même si ça peut arriver, vous avez le turtle mode qui fonctionne. Mais vous voyez, on a donc ce centre de gravité qui permet de remettre toujours le drone plus ou moins d'aplomb. Alors ça, c'est bien, je vais vous le mettre en route, ça c'est bien quand on est en vol à vue et en stabilisé, quand on fait différents jeux, parce qu'on va être amené à tomber régulièrement. Donc c'est plus pratique que le drone soit toujours prêt à partir, prêt à redécoller, bien évidemment. Donc je vous le mets en route et après je vous parle du mode FPV. Là, ça brille, hein. Attendez, on va l'initialiser. Bip, bip, bip. Il est prêt. Donc, vous voyez, moi, j'ai ma petite couleur jaune ici pour m'identifier et ça clignote en vert parce que la batterie est bonne. Donc, quand je serai en fin de batterie, ça clignotera en rouge. Et puis, il y a le buzzer qui va buzzer également, mais qu'on n'entendra pas forcément. C'est bien d'avoir un repère visuel. Et donc, ce petit cerclage rouge qui prend tout le drone, qui illumine toute la cage, je trouve ça super bien vu. Donc, je vais pouvoir déconnecter et je vais vous parler du FPV. Alors pour le FPV, c'est pas génial d'avoir la batterie en bas ici parce qu'on va pouvoir voler en accro, vous l'avez vu, ça fonctionne plutôt bien. Mais là pour voler en accro, j'ai pas fait comme ça, regardez, je vais démonter la partie du bas. C'est super rapide, c'est vraiment bien fait, c'est résistant, on n'a pas peur d'y aller franchement. Hop, je vais récupérer ma lipo et je pense que certains ont déjà compris. J'ai simplement installé un petit pad antidérapant sous mon drone ici. Et une petite sangle, puisqu'on a un espace sous le châssis. Donc il vous faudra une mini sangle, ou alors vous mettez un riselant, et vous allez pouvoir accrocher votre batterie tout simplement sous l'engin. Ce qui fait qu'on va avoir un centre de gravité plus ou moins normal. Bien sûr, vous aurez un petit peu le poids de la cage, mais ça ne vous empêche pas de faire des figures, et surtout de vous initier sans aucun danger, ni pour le drone, ni pour votre maison, ni pour les gens. Enfin, votre maison, attention, hein, parce que ça, 300 grammes dans un vase, il dégage. Hein. Mais même pour les gens qui sont autour. Voilà, si vous touchez quelqu'un, il n'y a pas de souci. Seule chose, c'est qu'il ne faut pas que la personne essaye de l'attraper en mettant les doigts dedans, tout simplement. Donc on peut l'attraper comme ça, et on peut même jouer à chat. Voilà, le but du jeu, vous avez 2-3 personnes qui courent, et essayez d'aller les toucher, tout simplement. Je sais pas, il y a tellement de possibilités. Bref, une fois que la batterie est installée, vous voyez, moi j'avais juste retiré les petits bouts de carbone ici, et je l'avais laissé comme ça, tout simplement. Pour voler, puisque là on ne touche pas, ça nous fait un train de décollage d'atterrissage parfait, il n'y a pas de souci. Et là, bien sûr, même si vous êtes sur le côté, je vous l'ai montré dans la vidéo, on peut utiliser le turtle mode pour le remettre d'aplomb si jamais vous tombez. Mais vous pouvez aussi refermer la cage, hein, tout simplement. Moi, je ne l'ai pas refermé parce que j'ai fait 2 batteries d'affilée, c'était juste plus facile pour y avoir accès. Mais en tout cas, ça protège super bien quand même. Donc, voilà toutes les possibilités de ce petit engin. Je vous mets l'éclaté de la carte de vol quand même pour que vous puissiez voir comment se passent les connexions. Donc voilà, je n'ai pas été trop embêté pour ce montage. Après, à vous de voir, bien sûr. N'allez pas fixer des choses sur la cage ou en dessous parce que vous seriez forcément amené à la démonter. Donc c'est bien quand vous fixez des choses de les fixer. Vous voyez mon récepteur, je lui ai mis assez long de câble ici et je suis venu le fixer ici directement sur la bande LED avec un petit riselant et les antennes montent ici le long tout bêtement. Donc on a une plutôt bonne réception. Après, c'est pas un engin où on a besoin de 100 mètres de réception, on va toujours jouer à proximité généralement, sauf pour faire un peu de FPV. Donc pour l'initiation au vol à vue, pour l'initiation au vol en FPV, pour l'initiation à l'accro et pour l'initiation au jeu, tout simplement, voilà, je vous dis, il n'y a que votre imagination qui va vous arrêter sur ce petit engin. Je le trouve franchement bien fait. Pas trop cher pour le produit que ça apporte parce qu'on aura une grosse durabilité. Moi j'ai pris pas mal de gadins, j'y suis allé franchement de bon cœur et j'ai pas eu besoin d'ouvrir ma petite pochette avec les petites cellules de remplacement. Donc c'est vraiment super résistant, ça tient bien. Donc voilà, je vous mettrai dans la description les petits accessoires qui sont utiles, pas indispensables mais utiles, comme la petite caméra FPV, le petit VTX, et puis les pads antidérapants par exemple, ce genre de choses que j'ai utilisé, ce que j'ai utilisé moi là pour le montage. Comme ça au moins vous saurez sur quoi partir si vous voulez faire la même chose que moi. Donc voilà les amis, j'espère que ce petit engin vous plaît, parce que moi il me plaît énormément. J'ai qu'une hâte, c'est de recevoir le bleu et d'aller faire des combats avec Yacine. Je pense qu'on va pouvoir
pouvoir s'amuser, même faire une petite piste de race et pouvoir y aller franco sans avoir peur de toucher les gates, sans avoir peur de toucher les drapeaux. Bref, en entraînement, c'est vraiment un engin génial, même s'il y a un peu plus d'inertie qu'un drone normal. Je valide et je survalide, je kiffe ce petit truc. Donc c'est tout pour cette petite Flying Ball de chez LDARC. Tout de suite, on part faire le tirage au sort pour voir qui a gagné la petite caméra. Et juste après, je vous mets les images du karting. Yep, on se retrouve pour le tirage au sort, donc pour gagner la petite caméra Ranger Imu, la Ranger 2C. Donc je vous avais simplement demandé un petit commentaire. Donc vous savez comment ça se passe, je prends toujours le lien de la vidéo. Donc on avait ici 190 commentaires, mais il y en a peut-être quelques-uns à moi. On va aller se le mettre dans YouTube Random Comment Picker. On va coller le lien ici et c'est parti. Ah, je filtre les doubles commentaires. C'est... Et donc on a 183 uniques commentaires, et c'est plutôt pas mal. Donc vous avez une chance sur 183 tout simplement. Donc c'est parti, qui va gagner la petite caméra Ranger 2C de chez Imu? C'est parti dans 3, 2, 1, go! C'est Pence. Laurent RC Ntech, salut Taz, caméra sympa, je tente ma chance et je participe. Eh ben écoute, Laurent RC Ntech, t'as bien fait de tenter ta chance, parce que tu as gagné tout simplement. Donc je te rappelle qu'il me faut un petit commentaire dans cette vidéo là, celle que tu vois en ce moment, où tu as appris que t'avais gagné et que t'es tout fou, tu sautes partout, reviens à ton clavier et tu me mets un petit commentaire, c'est moi, merci Taz, tatatit, je t'envoie un email. Et donc ensuite, dans ma description, enfin tu connais mon email, peut-être, taskiller85@gmail.com, tu m'envoies un petit email de façon à ce qu'on puisse s'organiser pour l'adresse, etc., etc. Donc voilà, félicitations encore une fois à toi, Laurent RC Ntech, car tu as gagné la petite caméra Ranger 2C de chez Imu. Donc félicitations à toi, Laurent RC Ntech. On se retrouve samedi pour le prochain tirage au sort. Rappelez-vous, il y avait 3 cadeaux en jeu pour 2 gagnants. J'en tirerai 3 au sort et les 2 premiers qui se reconnaîtront et qui me mettront un message dans les commentaires, pourront choisir entre les 3 cadeaux tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, comme dirait Yacine, et surtout, à très très bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao! But I don't know why you hit the road, but you don't realize. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back, back. It's not your fault, but you don't realize that I never wondered what's the truth in your eyes. There's a light that makes me blush. I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there. I won't look back when you're gone. I won't think twice when you're gone. Don't hesitate to call me back, 'cause I won't be there.
Ça change un peu, j'espère que les images vous auront fait plaisir. Voilà, j'ai fait un petit montage rapide de quelques trucs qu'on a pu faire. En tout cas, nous, on a bien kiffé. Merci au patron du karting de Challans qui nous a laissé nous éclater pendant une session privée. Là, ils ont reçu des nouveaux kartings, donc ils sont en train de les roder, tout simplement. Donc, on est en session privée, on n'est pas avec du public. Et tout le monde était d'accord, bien sûr. Et on est resté sur la zone, comme vous l'avez vu. Voilà. C'était bon ? C'était bon. Oh, c'était ça, cool. Ça fait plaisir. Et ça change un peu. Bon, prochaine étape, suivi d'un bateau mouche. Ouais, c'est parti.